Arc. Arc, c'est dégueu. C'est-tu dégueu, calice? Le jeu me fait carrément chier. Regardez, vous avez vu des blocs? Des blocs. Si je vous niaise pas, il me fait du n'importe quoi. Pour me voler de plus, si. Je peux rien faire, je peux juste faire ça comme move, c'est ça qui fait chier. Christi Dieu. Bon, finalement, j'ai fini par réussir à finir les chansons. Dommage que j'ai perdu 2 talents lors du tour précédent. Il manquait pas grand-chose, mais le jeu m'a carrément bloqué les combos potentiels, mais veut dire... Il m'a bloqué Dernière Force puis Brivern en plus. Je pouvais juste faire D&C comme dernier coup. Et voilà, on change ça pour l'échelon 100. On se reverra pour l'échelon 200 pour la prochaine vidéo. Bon, ça m'a pris 8 essais pour réussir. Sauf que j'avais pas pensé qu'il fallait que je laisse un slow vide pour réussir. Parce que je savais qu'il avait utilisé Brivern puis qu'il avait des entraves de Keldeo sur la vidéo de Purple Kills. Fait que je me demandais pas comment qu'il faisait. Fait que j'ai pas pensé à enlever un slow vide. C'est Jade Rafa qui m'a fait penser à ça, puis je te remercie beaucoup. Parce que là, sinon, j'aurais eu de la misère avec la formation que j'avais. Puis mon Kriev est au niveau 1, et son talent est au niveau 1. Oublie, fait que je peux pas l'utiliser dans ma formation. J'ai essayé à maintes reprises avec Deoxys, forme attaque, mais marchait pas. J'ai essayé aussi avec Galeking, ça marchait pas plus. Puis en plus, combo de type ne fonctionnait pas. Puis en plus, il était au niveau 3 à la fin. Quand j'ai utilisé pour la dernière fois, il faisait même pas combo de type quand c'était le temps.
Il faisait, mais pour que ça fasse à peine 5-7 combos, voyons. Bon, ben sur ce, on se rendra pour les soins de sang d'ici quelques jours. Je vous souhaite à tous une bonne veillée du jour de l'an et bonne année.